tried to call the organization, but I spoke to Mika and said, World Cup last year or this year? I mean, like, you say you're coming. It's colder than I thought it would be. Allez,
Allez Flav, faut revenir dans les roues là. Allez Flav, hein. Venez là, les filles. Pour cette deuxième place, bonjour, deuxième famille.
Quelques-unes des toutes meilleures mondiales qui sont sur cette piste ici. Vous ne vous retardez maintenant à voir l'avant-dernière information. De la course des dames avec quelques-unes applaudissements qui vont être repris par tous les autres spectateurs ici. Dans le domaine de Marcel Mini, pour le petit million de radio, vainqueur, Pauline Ferrand-Pavot. Pauline Ferrand, 500, 210 mètres de dénivelé par tour. Vous réservez le meilleur accueil pour le team des 400 francs de Wessing. Savignon Blanc, la deuxième position. Savignon et cette et la, voilà, la troisième position ici pour le film Festival avec Laurent Stiller. Sur les épreuves, on va accueillir la cinquième, non, la quatrième, pardon. Jean-Marie de France, la championne de France. Voilà, belle récompense et applaudissement. C'est sur moi avec Boris cette année. Il y a bien un petit début qui va être reconnu. Et bien, tous les bénévoles, l'équipe de chronométrage, l'équipe d'arbitre, l'équipe d'organisation, tous les partenaires, les exposants, les food trucks qui vous ont régalé pendant deux jours. J'aimerais pour les remercier de leur présence et de leur engagement. Vous entendez les applaudir très très fort pour toute l'équipe d'organisation. Olympique, de très belles performances également à son actif sur les championnats du monde ou sur les coupes du monde avec des nombreux top 20 ou top 15. J'aimerais vous entendre applaudir Greta Seyrault. Oui, s'il vous plaît. Vitesse Steven pour les Jeux Olympiques, deuxième de la Coupe du Monde de cross olympique, vice-champion du monde de relais, vice-champion du monde de cross olympique. Je vais peut-être m'arrêter là et je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Laura Lecomte. Une heure
21 et 22 secondes pour boucler les 4 tours. Et Free Racing, elle prend la 3e position ici, 7e du classement international, 3e déjà vendredi du cross-country court, déjà quelques victoires internationales cette saison pour elle, 4e du classement de la Coupe du Monde de cross-country court, 4e du classement de la Coupe du Monde de cross olympique, 2e du test event sur le circuit des Jeux Olympiques Paris 2024. Le meilleur accueil, vous allez l'offrir à travers vos applaudissements à Laura Steger. Position avec un chrono de 1h, 18 minutes et 31 secondes. Elle nous vient des États-Unis. C'est d'ailleurs une habituée des top 15, top 20 sur les épreuves internationales, championnat du monde ou coupe du monde. Vice-championne du monde de relais il y a 2 ans de cela avec l'équipe des États-Unis pour le type Decathlon Ford Racing Team, Samia Blanc. Allez crescendo au niveau des applaudissements, il va falloir aller encore plus haut pour accueillir celle qui s'impose ici. Elle est double championne du monde sur le cross-country court où elle a pris la 2e place avant-hier, championne du monde de cross-country olympique. Je ne vais pas redire tout son palmarès, sinon on va y passer la soirée. Je vous demande simplement de faire vraiment une très très grosse ovation à la vainqueur du jour, Pauline Ferrand-Prévot. Mademoiselle, merci beaucoup, bonne continuation dans votre saison et dans vos objectifs à toutes. Et on se retrouve dans pas longtemps, là, ça part dans... ...13 minutes du départ. Pour le
et vous entendez en venir. Amaya Boshi pour être ici à Rio et à Tokyo, la plus belle 5 place de notre équipe. Je vous donne un maximum d'énergie à travers vos applaudissements pour les concurrents, la première ligne bien sûr, et l'ensemble des pilotes qui sont derrière eux. Je m'en demande de vous en faire des trois générales, ça se concerne pas seulement, on part et on va faire pour chaque tour. Allez, allez Pierre, on lâche rien, tout le monde est là, allez on reste dans les roues. Allez,
rien écouté tout à l'heure, là, puisqu'il y a le rocher. Là. Il est là.
Kometsky qui vient de passer au premier intermédiaire du dernier tour dangereux. En l'occurrence, je suis à nouveau Victor Kometsky avec un focus sur la tête de course pour permettre ainsi de vivre. Et ça nous donne un très grand vainqueur dans quelques instants. Les applaudissements et ses défenses pour Victor Kometsky, le team Chrysler qui s'impose. Victor Kometsky, nouvelle victoire ici après le cross de Tricourt. Une ovation! Le coup double pour Victor Kometsky. Les nouvelles couleurs, la deuxième place, Joshua Nemo. Et la troisième position, l'ancien champion du monde, Jonathan Tahou. Quelle fin de course! De Jordan qui est heureux. Bonne victoire pour Victor Kometsky. Vous pouvez applaudir. C'est également celui qui en termine maintenant. Il n'a jamais baissé les bras. Simon Andersen. Pour le team Cannondale à deux fois. Avec Adrien Mouachi pour le Trinity Racing. Quelle belle performance et quelle belle émotion. Vous nous vivre tout ça. Victor, on va se décaler un petit peu si tu veux. Pour l'histoire du public de Marseille. SKF, le partenaire titre des Coupes de France et partenaire des équipes. De cette épreuve, 1h25 minutes et 14 secondes pour boucler les 5 tours de 5 500 km et 210 mètres de dénivelé pour le team Trinity Racing. Vos applaudissements qu'on vient de faire maintenant pour Adrien Mouachi. Avec un année dernière de la Coupe du Monde, des moins de 23 ans. En cross-country court, en cross-country olympique, champion de France, champion d'Europe. Performance de haut niveau. Les applaudissements à nouveau pour Adrien Mouachi. Il brille aussi sur les épreuves de relais, de cross olympique et de VTT marathon pour le team Cannondale. Il nous vient du Danemark, multiple champion du Danemark, Simon Andreasen. Alors récompensé par Christian Lazzarini, le président du comité régional FFC, pour cette quatrième place, troisième position, 1h24 minutes et 24 secondes. Il grimpe un cran, troisième position pour Jordan Sarou.
deuxième position, 1h24 minutes et 21 secondes. Il porte les couleurs du team Decathlon Ford Racing. Vous allez pouvoir applaudir très très fort. Joshua Dubois, deuxième. La deuxième position pour Joshua Dubois. C'est l'homme en forme de ce début de saison pour le team Specialized Factory Racing. J'aimerais vous entendre faire une véritable ovation. Hein. Donc, bravo à toute l'équipe d'organisation et bonne fin de...